D'ailleurs, j'ai testé les bandes de chez Action, les bandes pour faire la moustache, c'est de la grosse daube, ça colle pas, c'est une horreur. Donc je vous les déconseille vivement, c'est vraiment de la grosse daube, franchement, inutilisable. On dirait qu'il n'y a même pas de colle dessus, c'est une horreur. En plus, ça m'a fait des boutons. Vive les bandes de chez Action, Lidl, pardon. Les Action, plus jamais je rachète, j'en doutais en plus. Ça colle rien, c'était obligé de passer 15 fois. Oula, j'ai le nez qui pèle à ma foi. Je suis sèche comme un coup de trique. Fond de teint appliqué. Normalement, c'est un concealer, mais comme j'ai pas pris de fond de teint, je m'en sers comme un fond de teint. Ensuite, je vais prendre cette couleur qui est parfaite pour si t'as pas de bronzer avec toi. Franchement, elle est parfaite. Et j'aime trop cette palette, franchement, c'est du lourd. Pour le prix, ça vaut grave le coup. Donc, je vais en prélever une petite dose. Faire mon bronzer. Ouais, c'est parfait. La couleur parfaite. Cette palette, elle est vraiment bien pour 2 euros, je vous dis. Ça vaut grave le coup. Et comme m'a dit ma sahbi Wahiba, c'est une dupe. Elle est vachement inspirée de la Reloaded de chez Urban Decay. J'ai pas pris d'anti-cerne, mais du coup, j'ai remis une couche de concealer Too Faced. C'est vraiment histoire d'avoir une meilleure gueule. Hein. Parce que je suis pas fameuse aujourd'hui. L'estompage n'est pas fameux aussi. Vous voyez la couleur en guise de bronzer, c'est de la bombe. Bon, j'estomperai mieux après, de toute façon. Je fignole. Je fignole à ma pomme. Je vais mettre ensuite le blush de chez Colourpop. C'est leur mood que j'apprécie particulièrement. Je vais en mettre une bonne dose parce que. Je suis blanche comme un cadavre. Bon, je m'estompe la tranche et je reviens. Et ensuite, on va utiliser la Urban Decay Cherry de chez Naked. Comme on l'a pas plus bas. Elle est sublime cette palette et je ne l'ai jamais utilisée, donc on va improviser un make-up avec. Ensuite, j'ai mis la base Pilouise comme d'hab en train de 0,1. Elle est super cool. Par contre, il faut vite l'estomper parce qu'elle sèche très vite. Alors, je m'occuperai des sourcils après. Ah, la lumière me plaît bien. Donc, premièrement, je vais me servir de transition. Je vais me servir de la couleur Feels, qui est ici, qui est magnifique. Un peu plus rose. Donc ensuite, je vais prendre un peu de Devilish, cette couleur qui est magnifique. Et je vais l'appliquer ici. J'aime trop ces teintes. C'est pas du tout comme mes habitudes, mais j'adore. Now, these them winter schemes, plying for better dreams, cooking flows and melodies for OGs with felonies who've been locked since the 70s. You gotta pray for enemies with jealousy. Donc ensuite on est là. Je vais estomper après, ne vous inquiétez pas. Je prends la couleur Privacy, c'est un marron foncé. Et je vais venir foncer mon point externe. Ah, il est sublime celui-là. Ah ouais, je kiffe. And let you know where you wrong at instead of letting you ride away in your soul, rather be whole and pure in my spirit. On est plutôt pas mal. Donc là, je vais venir estomper tout ce hala parce que là, je suis miro. Donc je prends un pinceau estompeur de chez Zouille et je reviens. Donc je vais estomper pendant 3 plombs ici parce que j'ai fait Nawak. Diffusons la matière ensemble. Et ensuite, je vais venir cutter ma pop. Et on va utiliser plusieurs fards pour voir ce qu'elle a dans le cache. Mais franchement, les fards s'estompent bien. Franchement, j'apprécie particulièrement. Ouais. Et ces couleurs, ça change. Ça me change la tronche. Donc je valide, Ça fait du bien le changement. Des fois, on croit que ça ne voit pas. Mais il faut essayer pour voir ce que ça donne. Sinon, on ne sait pas. Il manque un peu de matière ici, Nathalie. Donc je vais en remettre une petite pointe. Ensuite, vous pouvez, pour nettoyer les bas, vous pouvez prendre un beauty blender et tac, tac, tac. Oui, j'ai des cernes, c'est humain. Entre cernes, il peut rien pour moi. C'est pas lui qui fonctionne pas, c'est mon sommeil qui est déglingué. Donc ensuite, j'ai coupé ma paupière avec le Pelwis et un petit pinceau plat comme ça. Top niveau, ça c'est très bien parce que en fait ça sèche vite donc c'est super cool. D'ailleurs celui de chez Action, l'anti-cerne, il est génial pour faire des cut crease.
Donc du coup, je remets pas de matière, j'estompe un peu les bords avant que ça sèche trop. Et ensuite, j'estomperai au-dessus de ma paupière pour faire un truc plus propre. Voilà, c'est. Donc en coin interne, j'ai mis le hot spot et vers l'extérieur le Young Love. Donc voilà où j'en suis, j'aime beaucoup. Je vais mettre le liner L'Oréal Perfect Slim en teinte. C'est un liner waterproof qui se démaquille très très bien, je vous l'ai déjà présenté. Je sais plus quelle couleur c'est. Brown 03, il est absolument magnifique. Du coup, je vais le mettre vite fait. J'aime trop ce liner. Ensuite, en ras de cils, je vais venir prendre un pinceau plat et je vais mettre la couleur Bing. C'est un genre de rose. Franchement, j'aime trop le résultat. Là, je vais prendre le L'Oréal Bambi de L'Oréal parce que franchement, il est trop bien. On est plutôt millénaire comme ça. Voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup. Bon, j'ai pas envie de. J'ai peur de tout défoncer, mais c'est pas grave, on va le tester ensemble. C'est le Can't Stop Won't Stop de chez NYX, c'est pour les sourcils. Je sens que je vais massacrer parce que l'application a l'air assez particulière, une fois. Bah, c'est un produit qui se présente comme ça, côté brosse, peigne. Par contre, l'embout, il est hyper balèze, quoi. La couleur, elle est un petit peu chaude, on va voir ce que ça va donner. On va l'essayer ensemble pour voir. Je crains le pire. Je sais même pas comment on utilise ça. Donc, on va faire. Alors. Comme ça, ça m'a l'air bien foncé. C'est pas du tout pratique. Après, ensuite, je sais pas trop ce qu'on va foutre, mais on va faire. Oh là là là, ça. Je le sentais pas le machin, tu vois. Et si c'est un truc waterproof, à la taille, non. Je suis pas fan, je préfère largement le liner. En plus, c'est gras foncé, c'est dégueulasse. Bon, ben faites abstraction, faites abstraction de mes sourcils. Je tremble, Kata, il me laisse plus vivre. Oh là là, l'application. Oh là là là, mais pour qui je me prends? Ouloulouloulouloulou, j'aurais jamais dû mettre ça sur ma gueule. Ah non, mais celui-là, je vous le déconseille, franchement. Il est mal foutu, le truc. Hein. Je me suis fait des sourcils carrés, tout ce que je déteste. Putain, merde. Et la couleur, elle est immonde. La couleur, elle est beaucoup trop chaude, elle est beaucoup trop foncée, j'aime pas du tout. C'est dégueulasse. I'm sorry, guys. Non, franchement, et en plus, quand tu veux nettoyer la matière, t'en fous partout. Je valide pas du tout ce produit. Peut-être dans une autre teinte, j'en sais rien. Regarde-moi ça, ça me fait des trous et tout, c'est une horreur. Bon, celui-là, je savais direct que j'allais pas l'aimer. Ça n'a pas loupé. Par contre, la tenue a l'air d'être bonne, hein. Je ne vais pas dire le contraire. Oh là là, c'est un massacre, c'est trop foncé, c'est immonde. Bon, c'est pas grave. Ça fixe bien les sourcils, ça, je peux pas dire le contraire. Alors, l'application, tout le machin, c'est un massacre. Bon, je vais nettoyer ce que j'ai fait comme connerie. Ah, c'est beaucoup trop foncé, c'est vrai. C'est immonde. Le liner NYX est 100 fois mieux. Je conseille vivement de prendre le liner, parce que là, c'est vraiment hideux. Le liner NYX Brow Tint Paint. Faites pour sourcils, il est bien mieux. Tu peux faire des poils que tu n'as pas, tu vois. Bon, je vais venir essuyer tout ce bazar. Comment déglinguer sa tronche en 2 minutes 30, voilà. Je suis écœurée de ce projet. J'essuie avec un coton-tige, ça paraît assez bien, mais je préfère vraiment de liner. Ça, c'est trop foncé. L'application n'est vraiment pas fabuleuse. C'est pas assez pratique, quoi. C'est pas précis, quoi. Je vous dirai ce qu'il en est de la tenue dans un commentaire épinglé sous cette vidéo. Mais franchement, je suis pas fan du tout.
je préfère largement le liner. Donc je vais passer au rouge à lèvres et j'en ai fini pour aujourd'hui. Mais ça, j'espère que ça vous aura plu quand même. Ce petit make-up qui change de mes habitudes, j'aime beaucoup. Les fards sont pigmentés, faciles à travailler. J'aime beaucoup. Comme rouge à lèvres, j'ai pris celui du coffret qu'elle m'a offert, ma sahbi. Paisa, si tu passes par là, boussalik. Boussa à tout le monde d'ailleurs. Ça, c'est un vernis pégissage que je vous avais déjà présenté. Je vais vous mettre la référence en barre d'infos parce qu'il est top niveau. Donc, je mets le rouge à lèvres Juicy Metallized qui est très très joli. C'est en beige mais avec des paillettes. Il est sublime. La dernière fois, je l'ai essayé, j'ai kiffé. Donc, je vais mettre celui-là. Allez, bande action en plus de ne pas arracher les poils. Ça m'a fait plein de petits boutons. Franchement, il n'y a que celle de Lidl qui me font aucun bouton. Je vous les déconseille vraiment. C'est vraiment de la daube. Mettez-moi mes sourcils, s'il te plaît. Non, mais franchement. Pas possible, ma chérie. Pourquoi t'as été touchée à ça? Au moins, je vous aurais dit que c'est de la horde, il faut pas acheter ça. Donc, les bandes action à fuir, c'est celle-là. C'est de la merde, mais de ouf. Franchement, c'est de la grosse merde. Et pour les aisselles, je pense pas. Déjà, si ça arrache pas les poils de la stache mou, pour les aisselles, j'ai envie de te dire, oublie encore plus. Bref, mon chéri, hier, il m'a acheté ce parfum. Trop mignon. C'est le Oriental aux jeunes. Et en ce moment, il est en promo à Leclerc. Donc, il me l'a acheté, mon chéri. C'est trop mignon. Ça me rappelle toute ma jeunesse. Donc voilà, je suis pimpée, je sens bon, je peux aller pécho mon amoureux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mais ça fait, c'était rapide. En plus, c'était une vidéo un peu sur les nerfs. Je te cache pas que Kiata, elle pleure depuis tout à l'heure, j'ai envie de la marave. Elle a plus de respect pour moi, elle me laisse plus vivre. Donc voilà quoi, les circonstances sont aggravantes, ma foi. Là, je vais aller préparer à manger avant que ma belle-sœur revienne. Donc voilà, donc j'espère quand même que ça vous aura plu. Franchement, cette palette, elle est top. Merci encore Faïza de me l'avoir fait découvrir. Franchement, elle est géniale, elle m'a offert le coffret. Et franchement, je suis très contente de l'avoir en ma possession. J'aime beaucoup. J'aime trop. Bon, les sourcils, ça me massacre un peu la tronche, mais faites abstraction. Je voulais vous donner mon avis sur le produit. Ben maintenant, vous le connaissez. Salam alaikum les jeunes, prenez soin de vous. Merci à toutes pour votre soutien. Bienvenue aux nouvelles nouvelles, ça fait plaisir de ouf. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Salam alaikum les jeunes, bon couvre-feu. Rentrez bien à la baraque à 18h, sinon c'est la merde. Combien de temps on va rester au ballon comme ça, je sais pas. Allez, belle, mais ça fait un moment que ça dure et ça commence vraiment à être pesant, en espérant qu'ils nous reconfinent pas. Parce que alors là, je sais pas ce qui va se passer dans... Franchement, prions. C'est tout ce que j'ai à dire. Salam alaikum les jeunes, prenez soin de vous. Parce que j'ai perdu le début de ma vidéo. Je sais pas ce qui s'est passé avec l'appareil photo. J'ai pas compris. J'espère quand même que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. En tout cas, le make-up est très joli. Les sourcils, c'est pas si dégueulasse que ça. Mais l'application est immonde. Et franchement, j'ai pas kiffé du tout.